cinewebradio.com. Le mois de juin 2012 n'aura pas manqué de comédie. Cette semaine sort une nouvelle comédie, romantique cette fois, Un bonheur n'arrive jamais seul, réalisée par James Hutt. À l'affiche, Gad Elmaleh et Sophie Marceau s'occupent de la promotion, mais que faut-il retenir de cette comédie romantique assez conventionnelle? Sacha Keller est pianiste et travaille en tant que compositeur pour une agence publicitaire. Il vit une vie au jour le jour sans se poser de questions, jusqu'au jour où il rencontre Charlotte, l'ex-femme de son patron dont il va tomber amoureux. Mais rien n'est facile car le spectacle qu'il a tenté de monter pendant des années va enfin trouver preneur. Il doit donc choisir entre un amour naissant et son rêve professionnel, tandis que Charlotte est coincée par son train de vie et la famille qu'elle tente de maintenir. Un bonheur n'arrive jamais seul est donc une comédie romantique somme toute extrêmement classique avec une structure presque canonique. Le couple formé par Gad Elmaleh et Sophie Marceau fonctionne très bien. Gad Elmaleh est excellent en séducteur tandis que Sophie Marceau est tout à fait convaincante en femme qu'on a trop vite rangée au placard et qui essaie désespérément d'en sortir. En ce qui concerne la romance, c'est assez mignon malgré les poncifs du genre qui veulent rendre l'amour plus difficile pour faire jaillir un faux semblant de suspense. En ce qui concerne le côté comique, Un bonheur n'arrive jamais seul peut se reposer entièrement sur les qualités de Gad Elmaleh qui occupe l'écran comme personne. On notera toutefois que le système comique du film se laisse le plus souvent aller à des gags un peu lourds. Mais on appréciera plus la relation entre Sacha et les enfants. En effet, l'homme déteste les enfants et sa relation avec Charlotte le forcera à en côtoyer trois, ce qui donne lieu à des scènes assez drôles par moments. Cette comédie romantique est donc on ne peut plus classique et c'est d'autant plus dommageable qu'on entrevoit ça et là du potentiel pour être plus original. En effet, le milieu publicitaire que côtoie Sacha aurait pu donner lieu à une réflexion et un visuel plus approfondi. Surtout lorsqu'on voit la scène de première rencontre qui laisse apercevoir la possibilité d'une ironie sur le genre du film. Au contraire, Un bonheur n'arrive jamais seul s'enfonce encore plus loin dans les canons du genre. Difficile de jeter la pierre à Un bonheur n'arrive jamais seul pour son manque d'originalité dans un genre déjà tellement galvaudé. Mais on sent qu'il y avait quelques thèmes à exploiter qui auraient justement pu rendre le film de James Hutt plus intéressant et original. Au final, Un bonheur n'arrive jamais seul reste très classique et donc peu mémorable.